Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, et bien c'est extraordinaire. Cette vidéo n'est pas à reproduire. Ça veut dire, il ne faut pas aller reprendre ce que nous allons voir ici. C'est un truc de ouf. Parfois moi-même je ne comprends pas les gens. Ah! Quand vous êtes tranquille, assis ou bien vous êtes en train de travailler, ça ne vous plaît pas, on dirait. Hein. On dirait que vous voulez nous montrer ce que vous avez sous le capot. Ah, à quoi même ça sert d'utiliser des engins pour pouvoir faire des trucs pareils? À quoi même ça sert d'essayer de défier les règles de la nature juste pour impressionner les gens? Est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine, les frères et sœurs? Dites-moi, est-ce que ça vaut même la peine? Si on ne vous a pas montré ça, ce n'est pas bon. Si nous, on ne vous a pas fait voir ça, vous allez penser que c'est de la blague et que ce sont des histoires. Mes frères et sœurs, ce que nous allons voir maintenant, soyez prêts. C'est un truc hors du commun. Ça s'appelle chez nous un truc de ouf. Regardez même ça. Mais qu'est-ce que les gens sont en train de faire ici? Regardez bien. Mes frères et sœurs, voici le nouveau jeu des gens du monde entier. Défier les règles de la nature. Les gens veulent sentir des sensations fortes, même très fortes. Et pour cela, ils sont prêts à se construire de ces engins très puissants afin de réaliser de telles figures ou fait peur aux gens. Ici, on voit deux personnes qui sont en haute altitude. Et la fille, elle a même peur. Elle pense qu'elle va mourir. Ah! Mais comment une personne ne peut-elle pas mourir dans une telle situation? Voici des situations bizarres que les gens sont en train de faire. Et ça, là même, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ah, vraiment. On dirait que les gens veulent défier la mort. Monsieur ou bien madame la mort. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais si on ne vous a pas montré ça, vous avez pensé que c'est de la blague. Si on ne vous a pas montré ça, vous avez pensé que ce sont des histoires. Soyez prêts. Ce que nous allons voir, c'est hors du commun. À ne pas reproduire. Nous sommes en famille. Regardez ce gars. Il est même ici. Il est chaud. Et regardez comment il a soulevé sa moto. Il a cabré la moto, non? N'est-ce pas ce qu'on dit pour regarder ça? Personne pour lui dire, mon frère, c'est vrai, tu es fort. Mais ce que j'ai dit de faire, c'est dangereux. Il faut arrêter ça. Personne pour lui parler. Il ne porte pas de casque ni de protection. Il est tout simplement exposé à la mort. Il se dit qu'il est fort et qu'il maîtrise la moto plus que tout le monde. Et il est prêt à nous montrer ce qu'il sait faire. Et cet homme qui était en train de filmer lui dit, oh, tu sais, oh, tu es fort, ah, c'est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça, oh. Et regardez, vous allez voir comment il passe même au milieu des voitures, regardez comment il passe au milieu des voitures. Déjà, les gens veulent défier l'ange de la mort, quoi. Les gens veulent défier l'ange de la mort, et tout de ouf, vous voyez ce qu'il a en train de faire. Voilà. C'est un truc de ouf. Voici le nouveau jeu des gens. Tout ça, c'est pourquoi? C'est bien évidemment pour faire des vues ou bien impressionner les gens. Cette personne m'a dit que, oh, tu sais, vous savez, c'est ma passion et je rigole pas avec les motos. Ce sont mes amis. Ah, mais pourquoi ne mets-tu pas un casque quand même? Faut te mettre un casque, la tête, ça te fait quoi? Regardez, il se voit même dans la paume d'un super-héros. Pour lui-même, il est un super-héros. Et pendant qu'il était si bien rigolé, voici une autre personne qui apparaît de l'autre côté là-bas. C'est un jeu. S'il était seul, il aurait pensé que ce sont des histoires. On le voit comme des histoires. Mais ça va être deuxième personne. Et ça continue. Et ça continue. Waouh! Ça, c'est un truc de ouf. Et regardez comme il a regardé en arrière. Et s'il tombait, en regardant en arrière maintenant. Et s'il tombait. Regardez. Il met même son pied, même sur le truc comme ça.
Regardez. Waouh! Comment vous l'a dit? Ne faites pas ça chez vous. Ça, ce sont des choses dangereuses. Les gens qui font des trucs pareils sont exposés à la mort. Ce sont des personnes qui défient la mort chaque jour. Faites pas ça. Il y a certains qui vont prendre des médicaments, des protections magiques ou mystiques pour pouvoir être gardés contre l'accident. Ça fait que quand ils se positionnent sur de telles motos pour faire de telles choses, ces gens n'ont pas peur. Mais d'autres sont morts parmi eux, quand même. Ça veut dire que c'est dangereux. C'est même très dangereux. Ne faites pas ça. Faites attention. Maintenant, nous allons vous montrer une autre chose qui va vraiment vous étonner aussi. Comme on vous l'a dit, c'est la première image que vous avez vue sur l'image d'accueil. Mes frères et sœurs, nous sommes en famille. Et quand on trouve des trucs pareils, on ne peut pas garder cela pour nous. Il faut qu'on vous les montre afin que vous puissiez vraiment réfléchir quand même sur ce que vous êtes même en train de faire. Peut-être que c'est même ça ton travail. Regarde ça. Regardez la fille, elle est en train de crier. C'est comme si elle venait de voir la mort. Regardez. Voici encore une autre fille. Ils vont la positionner sur un truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais elle crie parce qu'elle a peur. Elle crie parce qu'elle a peur. Et elle sera projetée comme ça. Juste projetée comme ça. Voici une autre fille encore qui est ici. Elle doit courir. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous serez même surpris. Regardez. C'est comme si elle est évanouie en même temps. Ou bien elle fait semblant d'être morte. Peut-être ce qu'elle a été de faire. Elle a été de faire semblant d'être morte, quoi. Est-ce que ce genre avait défié l'ange de la mort? Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Vous voyez ce truc sur lequel ces gens-là se trouvent là? Comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle même? Ça les balance de gauche à droite comme s'ils ne vont plus revenir encore sur la terre. Qu'est-ce qu'il va pas avec eux? Regardez même ici. Et les deux personnes qui sont là, ils vont se balancer d'un niveau à un autre. Et si ça tournait mal? Et si ça tournait mal? Qu'est-ce qui allait se passer? Là, c'est la mort, il n'y a pas 36 solutions. Donc, les gens veulent défier l'ange de la mort. Les humains qui font ça vraiment sont chauds. Hein. Regardez. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. La personne va quitter sur le balançoire ici et aller de l'autre côté. Ça va la soulever comme ça. Dans les airs, elle va redescendre et regardez comment elle va se défier les forces de la nature. Est-ce que vous aimez bien ça? Je vous rappelle que en bas, si elle fait l'erreur de tomber, ses parents vont même commencer même à prier. Si elle quitte là, elle tombe en même temps. Elle va tomber à des milliers de kilomètres de haut. Avant même qu'elle touche le sol, déjà même ses parents même vont commencer à prier pour que Dieu pardonne ses péchés en même temps. C'est pas de la blague. Faites attention, hein. Regardez. C'est pas de la blague, regardez bien. Voici encore deux choses que les gens te font. Pour eux, c'est de la rigolade, c'est de la blague. Mais ce sont des choses qui peuvent tourner mal quand même, hein. On a vu des parcs d'attraction qui sont mal finis, hein, qui ont fait des choses bizarres. Regardez les gens sur la moto. Ils sont fait des trucs pareils. On nous dit chez nous que le meilleur nageur est mort dans une piscine. Regardez le gars qui est là. Regardez la voiture. Est-ce que vous voyez? On voit un véhicule qui est juste là et qui doit passer juste là sur une route difficile. Vraiment plus difficile que difficile. Regardez très bien. Voyez-vous? Ça, c'est un truc de ouf. Regardez. Waouh! Comment les gens font des trucs pareils? Comment les gens arrivent-ils à faire des trucs pareils? Ça, vraiment. Même si vous me payez, même si vous venez me voir pour me dire, Yo, c'est bon.
Tiens ce bol, t'es joli. S'il te plaît, viens essayer. Je vais vous regarder comme ça. Et puis, écoutez. On cherche le diable depuis. On ne le trouve pas. Dja, il est même chez nous. Et il est devant moi. Tu veux ma mort ou quoi? Qu'est-ce qu'il va pas avec toi? Mes frères et sœurs, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, on approche la fin de l'année. Il y a des gens qui aiment bien faire ça pour impressionner les gens. Surtout à période de fête. Vous allez les voir, vous allez soulever les motos. Moi, je ne comprends pas. Ah, ça, c'est quoi ça? Les gens se trouvent dans les voitures de luxe. Les puissantes voitures en train de rouler. Boum, filer sur la route comme ça. Ah, ce ne sont pas mecs à cacrer la route là. Ou bien vous allez voir des gens. C'est la fête. Et ils sont même dans le maquis. En train de se défier. Qui boit le plus de bière? En train de boire beaucoup de bière comme si c'est même de l'eau. Ou bien c'est la chose que Dieu a, ou bien c'est la seule chose que Dieu a créée. En train de boire des choses bizarres. Pour impressionner qui? Les gens. Il est en faisant ça pourquoi? C'est pour impressionner les gens. Ou bien voir comment les gens vont se sentir. Et ça, c'est même ça le monde. Mes frères et sœurs, faites attention au monde quand même. Hein. N'appréciez pas les telles choses. Ça ne doit pas vous plaire. Ne trouvez pas quelque chose de bon dans ça. Sinon, ça risque d'être même la dernière chose que vous allez faire avant votre mort. Franchement, faites attention. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et qui vous donne l'intelligence et qui vous permet d'accepter tout ce que nous sommes en train de vous donner comme conseil. Nous sommes en famille ici sur ce banc. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez, partagez cette vidéo. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.